Tiens, ben, je vous trouve là devant l'hôtel de ville de Vienne lors du rassemblement des coquelicots. Nous voulons des coquelicots. Qu'est-ce qui vous amène, vous, à ce rassemblement? Alors, ce qui m'amène à ce rassemblement, c'est tout simplement qu'on est contre les pesticides et que c'est une lutte qui est permanente et de tous les jours pour nous, puisque nous soutenons la nature au travers d'une association qui s'appelle Entrez, c'est ouvert, qui est à Reventin-Vaugry. On travaille en partenariat avec une autre association qui s'appelle Graines Butées Permaculture d'Alain Orangia. On intervient dans les écoles et on a, un jardin en permaculture à Reventin. Et vous avez un certain nombre d'initiatives publiques. Je crois que là, ce que vous avez en perspective, c'est une initiative au mois de mars. Une initiative, on fait des conférences déjà dans tout le long de l'année. Toute l'année. Et aussi, donc, une semaine, on va dire, de la nature. En mars, qui va démarrer un jeudi par des contes sur la nature, un vendredi avec une conférence sur les abeilles sauvages, le samedi nettoyage de la commune et de ramassage avec une autre association qui s'appelle Champiflore de Montsevroux, et le dimanche un grand dans un gymnase, troc de graines et un marché bio avec des ateliers. Alors avec tout ce que vous organisez depuis un certain nombre d'années, est-ce que vous sentez qu'il y a une sensibilisation de la population véritablement au fait qu'il faut cultiver, manger différemment? C'est oui et non, c'est quand même difficile parce qu'on est dans un milieu rural, mais ça bouge. Ça serait plus facile dans un milieu urbain, alors c'est difficile de le dire, mais ça doit se dire. Mais ça bouge, et c'est vrai que faire de la permaculture à la campagne, c'est pas encore évident. C'est pas encore évident, ça prend un peu de temps. Mais on y arrivera. Vous êtes optimiste ? Très optimiste, n'importe comment. Mon épouse dit toujours qu'on creuse sa tombe avec sa fourchette. Donc l'alimentation, c'est vraiment la source de la longévité humaine.